Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma critique des Indestructibles 2, vidéo que j'avais très très envie de vous faire et ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion de faire des critiques sur la chaîne. Donc me voici avec ce film d'animation qu'on attend tous, qu'on attend même depuis plus de 14 ans, puisque le premier film des Indestructibles est sorti en 2004. Alors, petite chose que je dois vous dire malgré tout, c'est que de base, je ne suis pas spécialement fan des Indestructibles du premier film. Quand j'étais enfant, j'ai pas trop accroché. En fait, il m'a fallu du temps et la possibilité de le revoir adulte pour vraiment adhérer au message, comprendre le second degré derrière le film et vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Donc, c'était pas spécialement un film que j'attendais depuis des décennies puisque j'étais pas spécialement fan du premier. Mais c'est vrai qu'en l'ayant revu adulte, je me rendais compte de toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir et donc du coup j'étais très excitée à l'idée de le découvrir. J'ai eu la chance d'être invitée par Disney pour découvrir ce film en avant-première, je remercie les équipes de Disney pour ça, mais sachez malgré tout que ça ne changera rien à mon avis, vous pouvez me faire confiance là-dessus, on y va. Avant d'entrer dans le détail de cette critique sans spoiler, je voulais d'abord vous parler du court-métrage Bao, qui dure environ 7 minutes, qui est un court-métrage qui est extrêmement poétique, avec une esthétique tout en rondeur, qui raconte en fait la difficulté d'une maman à voir son fils grandir, et qu'elle retransmet dans la nourriture en fait, qui a la forme de son fils. Je ne vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler l'histoire, mais je trouvais que la musique était vraiment à propos, j'ai trouvé également que l'esthétique était très mignonne, que l'histoire était vraiment très belle à regarder. Il y a eu un retour de situation que j'avais pas du tout vu venir et que j'ai énormément apprécié. Juste après ça, du coup, générique d'entrée des Indestructibles 2. Et il faut savoir qu'un peu comme Coco, où vous aviez la musique mexicaine avec le château, dans les Indestructibles 2, vous allez également avoir un générique qui est totalement aux couleurs des Indestructibles, que ce soit le château ou que ce soit Pixar. On a un jeu avec les couleurs rouge, orange, jaune qui correspondent aux Indestructibles et quelque chose qui nous met tout de suite dans l'ambiance. Et je pense que pour les personnes qui sont un petit peu nostalgiques du premier Indestructible, rien qu'à ce moment-là, vous allez comprendre que vous regardez le film que vous attendez depuis 14 ans. D'ailleurs, de façon générale, vous allez voir qu'il y a tout un jeu de colorimétrie durant l'intégralité du film. C'est la première fois vraiment que je remarque une colorimétrie aussi bien faite. J'ai adoré pouvoir le remarquer. D'ailleurs, les images sont absolument sublimes. Les images sont truffées de détails. Il y a vraiment plein de choses à voir. On sent que l'esthétique, le design a été poussé et ça, c'est un véritable régal pour les yeux. Et sans vous spoiler, vous allez voir que l'introduction des Indestructibles 2 est un peu la même que celle du premier film, puisque vous allez également avoir une sorte d'interview. Dans le premier, c'était les héros qui se confiaient justement sur leur vie de super. Là, c'est une interview de Rick Dicker qui fait justement suite au premier film. Et c'est très drôle parce que je trouve que ça fait également référence au court-métrage sur Carrie, la babysitter de Jack-Jack. Et je vous conseille très 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 vivement de revoir le premier juste avant d'aller en salle pour découvrir le second, puisqu'il n'y a absolument aucun écart temporel entre le premier et le deuxième. Et du coup, je pense que ça peut valoir le coup pour pouvoir comprendre toutes les références qui sont faites aux fans, etc. Honnêtement, je vous le recommande à 100%. Je pense que c'est bien d'avoir les idées claires pour découvrir ce film comme il se doit. Surtout que vraiment, Les Indestructibles 2 est truffé de références au premier film. Il y a énormément de petits clins d'œil, de détails qui vous font penser au premier, et je trouve ça absolument génial en tant que fan de Disney et Pixar de pouvoir retrouver des éléments d'autres films, des clins d'œil qui ont été pensés justement pour ceux qui aiment les films originaux, c'est juste magique. Autre chose que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'histoire, c'est que tous les personnages sont développés. Dans le premier, Monsieur et Madame Indestructible étaient au premier plan, mais c'est vrai que les autres personnages, je pense notamment aux enfants, étaient quand même assez secondaires. Là, c'est complètement différent et je pense notamment au personnage de Violette. On a une Violette dont la backstory est développée, sachant qu'elle est quand même à l'âge ingrat de l'adolescence avec tous ses doutes, etc. Et c'est vraiment un running gag qui revient dans Les Indestructibles. Jack-Jack est entièrement développé, il a vraiment toute sa storyline et ça c'est vraiment bien. Même Flèche, même si c'est vrai qu'il est encore en retrait par rapport à sa sœur. Et surtout Edna. Cette fois encore, Edna a une scène où on la voit en particulier. Après, pour le reste, elle n'est pas extrêmement présente, mais alors quelle scène, les gars, quelle scène. Edna Mode est mon personnage préféré et j'étais juste trop contente de pouvoir la retrouver, voir ses phrases cultes, et elle est fidèle à elle-même et je l'adore. De façon générale, l'humour est aussi beaucoup plus présent, beaucoup plus visible aussi, il est moins subtil que dans le premier film. Je pense notamment à la scène du raton laveur que on voit partout, donc ce n'est pas un spoil, mais vous allez, je pense, vous allez beaucoup rire en découvrant ce film et vous allez peut-être être touché par certains
certains autres aspects. Le seul bémol à mes yeux, c'est que l'intrigue est un petit peu trop prévisible, et en particulier sur l'antagoniste, bien évidemment, je ne vous en dis pas plus, et je vous invite à pas le dire dans les commentaires qui est le méchant du film. C'était très très prévisible, mais ça reste malgré tout très bien amené. C'est un personnage qui a une psychologie qui est assez complexe, qui est assez fournie, on comprend vraiment ses motivations, et ça c'est quelque chose qui est très important à mes yeux. Mais c'est vrai que pour l'effet de surprise, on repassera. En tout cas, c'est un film que j'ai adoré, j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus comparé au premier. Ce qui m'a le plus plu, c'est toutes les références cachées dedans, c'est également le fait qu'Elastigirl soit au premier plan. Je trouve que c'est une morale qui est résolument moderne, on sent que Brad Bird a vraiment réfléchi son film dans les moindres détails, et ça je trouve ça absolument incroyable. Après, je sais pas si ce film mériterait un troisième volet, parce que je trouve que là la boucle est bouclée à mon sens, et je pense qu'il faut vraiment voir le film plusieurs fois pour voir et s'imprégner de tous les détails. En tout cas, j'ai essayé de le faire un maximum dans ma vidéo des secrets des indestructibles. Il n'y a pas de spoiler, mais si vous voulez découvrir plein de choses sur le film, je vous invite à aller voir ça dans le petit i. Oula. Mais pour moi en tout cas, Les Indestructibles reste un véritable coup de cœur. A mes yeux, ce sera de loin le film d'animation de l'été. Je vous le recommande à 100%, d'autant plus si vous avez aimé le premier. Mais si vous n'avez pas aimé plus que ça comme moi le premier film des Indestructibles, je vous conseille quand même d'aller le voir. Et à mon avis, comme le film reste quand même assez différent, vous passerez malgré tout un très bon moment. Voilà ma Pixie Army, c'est tout pour moi et pour cette vidéo critique. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez vu le film ce que vous en avez pensé, si vous préférez le 1 ou le 2, ou à revenir par la suite quand vous l'aurez vu, à me dire si vous comptez le voir. En tout cas, n'hésitez pas à liker pour m'encourager et pour me dire que cette vidéo vous a plu, à la partager parce que c'est toujours très important et ça permet de faire grandir la Pixie Army, et surtout de vous abonner, puisque bon, quand même, hein, il est temps de rejoindre la Pixie Army, surtout si vous regardez mes vidéos, pourquoi ne pas rejoindre la team. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ma Pixie Army, je vous aime très très fort. Bisous bisous bisous.